Avec une gratitude, ouvrons nos cœurs à l'évangile du Seigneur miséricordieux et notre Sauveur, qui a vaincu le péché, la mort et le Satan, et nous a ouvert les portes du royaume de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Du petit journal de Sainte Faustine. Je suis restée moi-même sur la terre pour consoler ton cœur douloureux et fortifier ton âme, afin que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Je te remercie, ô Seigneur, pour ton inconcevable bonté. Je te remercie d'avoir daigné rester avec nous dans cet exil, de demeurer parmi nous comme Dieu de miséricorde, et de répandre autour de toi la splendeur de ta pitié et de ta bonté. À la lumière des rayons de ta miséricorde, j'ai compris combien tu m'aimes. Est-ce qu'il y a en moi la foi en Jésus qui me connaît profondément, qui me donne soi-même comme nourriture, qui me promet la vie éternelle et qui m'assure que personne ne peut m'arracher de sa main. Mon Jésus miséricordieux, je te remercie car tu veux parler à chaque moment à mon cœur. Je suis tellement précieux dans tes yeux. Aujourd'hui, je veux de nouveau t'inviter à entrer dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, d'entrer dans mes relations et dans tout ce qui crée mon quotidien, afin que, avec la force de ton amour qui sait vaincre tout, tu puisses agir en moi et à travers moi comme tu veux. Je te confie ma faiblesse, ma maladie, ma misère et mon péché dont tu veux tellement m'arracher. Sainte Vierge Marie, Mère de mon Seigneur ressuscité, conduis-moi. Sainte Sœur Faustine, priez pour moi, car comme toi, je désire glorifier ton infinie miséricorde pendant ma vie, à l'heure de ma mort, lors de ma résurrection et pour l'éternité.